Donc, bonjour, eh ben, je me présente Robert Savoie. Je suis très 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 heureuse aujourd'hui de le rencontrer en vrai, puisque je connais Robert depuis. Toucher. Je peux te toucher. Voilà, ça fait à peu près un an et demi qu'on se connaît par la Z, avec Martin Latulippe. On dit coucou à toute l'équipe de la Z, avec François Lemay. On dit coucou à François et à toute l'équipe de Reset. Et puis, donc, tu as accepté de passer un petit temps avec moi en vidéo. Et donc, moi, j'avais une question à te poser, puisqu'on va te voir après en atelier. Quels ont été les premiers pas que tu as faits dans ton cheminement pour arriver à qui tu es aujourd'hui? Parce que voilà, ton histoire, bon, moi, je la connais. Je vous mettrai le lien de vidéo. Robert va pas nous la redonner. Quels ont été les premiers pas que tu as faits Ben, ça a de ta été transformation? ma croisée des chemins, je peux dire ainsi, c'est la mort de mon père, qui a été assassiné par trois individus, deux 18 ans et un 19 ans. Ça a été là que ça a été le déclencheur pour que je commence à faire du développement personnel. Alors, j'ai attendu, c'est vraiment un événement difficile pour décider de me prendre en main. Puis aujourd'hui, mais j'enseigne aux gens, attendez pas d'être rendu dans le chaos, vivre une difficulté, une séparation, une perte d'emploi, ou tu sais, c'est tellement facile de s'en aller dans une direction déjà connue, hein, qu'on passe déjà à l'action, les mêmes patterns. Alors, faut apprendre à se connaître. C'est ça qu'on fait quand on fait du cheminement personnel, c'est qu'on éveille notre pleine conscience. Hein, fait que. Alors, c'était le déclencheur, ça, la mort de mon père. J'étais 5 ans de vouloir tuer les personnes qui l'ont assassiné à coups de pied par coups de poing, 63 ans. Donc 5 ans où tu t'es fait beaucoup de mal finalement à toi Beaucoup de mal parce que de chercher à. je consomme plus à ce moment-là. Tu sais, je prends plus de substances. C'était des enfers pour arrêter pour moi. Alors, je ne veux pas retourner à cet endroit-là parce que c'est une fuite qui aurait pu être facile pour moi. Puis si je retourne là, je vais mourir. Je vais mourir et j'ai un enfant de 5 ans à l'époque. Alors, je ne veux pas faire vivre à ma fille ce que moi j'ai vécu avec la mort de mon père. Alors, là, je fuis quand même parce que mon intelligence émotionnelle, je la connais pas. Je ne sais même pas c'est quoi une émotion. Je sais que j'ai peur, je sais que j'ai des émotions, mais je connais pas c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Alors, je fuis, je me défends, je suis sur la défensive et je fuis dans le travail, là. Je travaille jour et nuit pour ne pas ressentir. Alors, je deviens workaholic, une partie de ma vie, pendant 5 ans, c'est une partie de ma vie. J'ai fui et j'ai bâti un empire, si je peux dire ainsi, une centaine de sous-traitants, des camionneurs, des superviseurs. Et là, ben, c'est certain qu'à un moment donné, à travailler fort comme ça, longtemps, beaucoup d'heures, ben, on a besoin de se récompenser. Je sais pas si ça parle aux gens qui écoutent présentement, mais moi, j'ai eu besoin de me récompenser, me faire plaisir. Et là, ben, ça a été la grosse maison, gâter ma femme. Gâter ma fille, les bébelles, puis nous au Canada, au Québec, mais on a beaucoup de neige, la moto de neige, le chalet. Fait que ça a fait qu'à un moment donné, c'est pas assez. Hein. Parce que c'est juste de remplir le vide par le matériel. Au 6 mois, ça te prend quelque chose de nouveau. Alors, c'était pas assez. Et une journée, ma femme, elle a décidé de me quitter. Et c'est là aussi que ça a été un autre déclencheur aussi. J'ai la mort de mon père, un passé non réglé. Peu d'estime, peu de confiance. Je travaille beaucoup, je vais chercher beaucoup de valorisation au travail parce que j'ai la tête dans le dos, je fais un bon travail. Fait que je me valorise beaucoup de cette façon-là. Et quand ma femme elle a décidé de me quitter parce que j'étais à la maison, mais je suis pas là, tu sais. Je suis là, je suis pas là. Fait que quand je suis là, je suis couché ou je suis pas vraiment présent. Et elle, après 5 ans, le côté matériel s'est passé. Là. Fait que décide de me quitter, puis là, ça aussi, ça a été. Un Un déclencheur aussi pour déclencheur, tu travailler. sais, un déclencheur qui a fait, OK, là, il est temps peut-être que je fasse quelque chose parce que je me détestais, je m'haïssais, je me sentais non important, aucune valeur. Tu frappes le baril, là, le fond du baril. Et ça m'a amené puis là, je dis ça avec toute une vulnérabilité, assez
dans la souffrance, que je voulais avoir mal ailleurs dans mon corps, que je me suis mis à me frapper, à me battre dans la douche. Je t'apprends à me laver, puis là, je crie, puis je me frappe à force que j'ai mal aux tripes. Je vais avoir mal ailleurs. Là, fait que c'est là que là, je dis, il est temps que je fasse quelque chose. Hein. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à travailler, à faire du développement personnel, à mieux te connaître, découvrir tes émotions. Ben, je connaissais pas ça, moi. Quand j'ai commencé à faire mes premières retraites, là, tu sais, mes premières thérapies, tout ça, là, je me sentais libéré, je me sentais, waouh, c'est quoi ça? Parce que je me sentais en paix. Puis en même temps, c'était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Sentir ce vide, tu sais, c'est un vide, dans le fond, tu sais, en paix, un calme, pas tu sais, un calme. OK, c'est quoi ce calme-là quand tu l'as jamais senti de ta vie? C'est bizarre. C'est bizarre, puis là, mais tu cherches à le remplir, là, de d'autres choses. Alors, c'est là que j'ai appris, oh, calme-toi, là. Calme-toi, ressens. Calme-toi, le pompon. Et, calme-toi, le pompon. Et reviens, tu sais, en relation avec toi. Avec les années, j'ai continué à cheminer, et ça le fait que j'ai retourné aux études en psychologie, en thérapie, approfondir mes connaissances, et je suis devenu conférencier enseignant, et aujourd'hui, ben, ça a 18 ans de métier, 3500 conférences, ateliers et retraites de 3 jours, tu sais, de 5 jours, de 2 ans que j'accompagne les gens pour un mieux-être. Voilà. Et donc, ce soir, Robert est avec nous à Rennes. Voilà. Et donc, on va te laisser maintenant. Je te remercie infiniment de ce temps que tu m'as accordé. Ouais. Et on va toujours te laisser te préparer, prendre le temps de te détendre, calmer, poser, et on va le retrouver après pour la conférence atelier. On viendra tantôt pour la suite. On fait ça. On reviendra après? Oui, on revient après voir qu'est-ce qui est là. Alors, c'est comme un film, tu sais. Vous venez de voir la première partie, on revient pour la deuxième. Pour la deuxième. Merci beaucoup. Oui, pourquoi pas.